nous sommes samedi, il est 11h15, je ne m'étais jamais réveillé aussi tard depuis très longtemps. Et c'est le deuxième jour de soleil de suite dont je n'ai pas pu profiter hier, donc on va le faire ce matin. Bordeaux est déjà belle en temps normal, mais avec le soleil quand même, il n'y a pas à dire. On vit bien dans la plus belle ville de France. Désolé pour Toulouse, mais il n'y a quand même pas à chier. Et sachez que ce plan m'aura coûté de marcher dans une de chien à la... Il est temps de manger, les tacos sont pour moi et madame et le gros burrito pour la Toulousaine. Jamais goûté, première fois. Ça a pas l'air si mal. h 50 maintenant, les gens sont censés arriver dans 2 heures. La cuisine est en train de se faire. Je vais aider, je suis sur le point d'aider. Bientôt. J'ai quand même une grosse crainte pour cette soirée, c'est que on est censé être 11 et que j'ai pas un espace immense non plus, je ne sais pas comment on va faire rentrer tout le monde. Soi-disant, ça devrait passer. Ah oui, et regardez la créativité de Mélanie et de Madame. C'est beau. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire que c'est de l'art. Attention. Donc ça, ce sont les verres des mecs. Magique. Et ça, ce sont les verres des filles. Ne me demandez pas pourquoi cet émoticône-là, je n'ai personnellement pas encore compris. Mais c'est bien fait, c'est joli. Pourquoi pas? C'est un choix artistique, dirons-nous. 8h moins 10, alors personne n'arrivera certainement à 8h pile, mais on commence à être bon. Tout est prêt. Plus qu'à les sortir du frigo. On ne devrait pas mourir de faim, de soif peut-être. Pour le moment, de faim, ça risque pas. On a une winneuse à 20h pile. Et t'as vu ça?